sur Gadget et Bécard, comme son habitude. Hein. Bon, aujourd'hui, on va parler de Wonder Kid, dit Weddy. Bon, vous me direz, c'est vrai, j'en achète très rarement. Mais là, aujourd'hui, je suis tombé sur un petit modèle qui, à travers la boîte, me paraissait valoir le coup. Donc, je vais vous montrer ça. C'est la Pagani Uyara, ou Uyara, je ne sais plus. Uyara. Bref, un nom à compliquer, mais très joli. Donc, on va déballer ça tout de suite, et puis après, je vous ferai un petit plateau, peut-être. Qui sait, ça fait longtemps. Allez, à tout de suite, les amis. Bon, voici la bête. Bon, alors j'ai jeté un petit coup d'œil quand même avant. Hein. Bien sûr, alors ce qu'on peut dire, c'est que de profil, elle est jolie. Les jantes et les roues, ça peut passer. Peut-être un écart important ici, là, mais bon. C'est pour chipoter. L'avant est pas mal. Bon, il y a l'entourage des feux, mais il n'y a pas les feux. C'est dommage. Il y a le petit essuie-glace. L'intérieur est sympa aussi. Il a été fait. Donc, on peut regarder. Tac. Et moi, ce qui me pose problème, c'est l'arrière. Alors, l'arrière, je le trouve très, très moche. Et en plus, ici, on voit avec le jour qu'il y a un léger écart, là. Je ne sais pas si vous voyez. Si on le voit, là. Comparé à l'autre côté, où c'est bien fermé. Entourage des feux encore, mais pas de tempo. Bon, il y a les petits Uyara. Bref, pas mal, mais sans plus, quoi. Au final, je suis un petit peu déçu quand même, comme toujours. Donc, voilà, les amis. Bon, je pense peut-être vous faire un plateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Sinon, à bientôt, les amis. Peace.